Hello, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas dit cette phrase et ça fait super bizarre. Je suis désolée, j'ai fait une sacrée pause. Je ne sais pas encore si j'arriverai à vraiment tenir le rythme comme avant, dans le sens où mon nouveau boulot me prend énormément de temps, beaucoup d'énergie aussi. C'est top, par contre j'aime beaucoup ce que je fais, mais effectivement voilà, ça me demande un peu plus de temps et d'énergie et c'est pourquoi je lis un peu moins puisque du coup je suis un peu plus fatiguée. Voilà en gros. Bref, je vais pas vous refaire tout le topo, de toute façon il s'est passé des tonnes de choses depuis que je vous ai filmé. Je suis partie en Corse pour le mariage d'une de mes cousines. C'était génialissime, franchement j'ai adoré. Bon, de toute façon la Corse, les paysages sont juste trop beaux. Mais là franchement c'était une tuerie. Donc voilà, ça faisait du bien aussi de changer d'air. Par contre, c'était pas évident de terminer un boulot, commencer un nouveau boulot, partir en Corse pour un mariage, revenir pour le nouveau boulot, faire sa non-intégration, être lancé sur les nouveaux projets. Enfin bref, c'est tout ça qui fait que c'était un peu complexe. Bref, voilà, il faut juste que je trouve mon rythme. Donc c'est pour ça, je vous dis, je sais pas comment je vais filmer, ni quoi, ni voilà. Je vais essayer d'avancer mes lectures parce que ça fait plusieurs semaines que je n'avance pas du tout mes lectures. J'en ai commencé plein, j'en finis pas. Et là, pour le coup, j'arrête d'en commencer et j'en finis parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc voilà, j'ai aussi pas mal craqué ces derniers temps. Je pense que c'était aussi en rapport avec mon état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai envie de lire, mais je ne trouve pas le temps ou j'ai pas. Enfin. C'est pas que j'ai pas l'envie, mais c'est que j'ai la fatigue et je m'endors très rapidement sur mon livre en fait. Donc c'était pas évident et à la fois il y a des livres qui m'appelaient, qui me tentaient. Je me suis aussi engagée sur des lectures communes. Bref, voilà, j'ai cracos. En même temps, mes collègues m'avaient fait une cagnotte pour que je m'achète des livres. Donc c'est chose faite. Je me suis acheté des livres du coup. J'en ai pas acheté beaucoup parce que bah du coup je garde. Là j'ai la pile du coup qui est à 275. Autant vous dire que là j'arrête d'acheter, c'est bon, je suis en no buy jusqu'au 1er septembre. Et je me suis mis un petit challenge qui est que je dois lire 15 livres pour cet été. Donc quand j'entends cet été, c'est juin, juillet et août. Donc ça fait 5 livres par mois. Bon, là on est déjà le 17, j'en ai lu 0 en juin. Donc je vais un petit peu activer le mouvement. Et puis voilà. Bref, je vais vous montrer tout ça. La pile, elle est énorme. Je pense que là, les deux livres, vous allez vite savoir de quoi je parle. Surtout si vous avez vu la vidéo que je vais poster juste après avoir filmé celle-là, parce qu'il faut que je la monte, sur ma pile de l'été. Donc j'ai craqué sur Vinted. Je vous l'ai dit dans cette vidéo où en fait je m'étais fait un peu avoir par la personne qui la vendait, enfin qui vendait déjà l'exemplaire plus cher que le prix normal. Bon, moi je le voulais absolument. Bon, si j'avais attendu un petit peu, en fait j'aurais pu le trouver moins cher, puisque du coup je l'ai trouvé moins cher aujourd'hui. Et bon, il est parti assez vite, hein, mine de rien. Bref, c'est en fait la saga. Alors, je sais pas comment s'appelle cette saga. On va dire la saga Six Couronnes Écarlates, puisque ça c'est le tome 1 et ça c'est le tome 2. Je les ai pris en relié. Je craque en ce moment sur les jaspages. Voilà. J'ai failli en acheter plein d'autres et je me suis dit calme ta joie parce que il y a un moment donné c'est pas bon. Donc voilà, j'aime trop franchement celui-ci, il est sorti il y a plus d'un an et franchement à chaque fois que je le voyais, à chaque fois j'étais tentée de me le prendre et après je me disais mais non, c'est pas ton genre. Puis après je me disais mais non, mais t'as d'autres choses à lire. Puis bref. Et là, j'ai un peu craqué sur Vinted, donc j'ai acheté le premier tome et à la Fnac, j'ai acheté le second tome qui est bientôt plus trouvable. Donc voilà, je voulais essayer de les avoir un peu tous, puisque du coup, c'est une saga. Donc, enfin, pour le moment, c'est une duologie, mais il me semble qu'il va y avoir d'autres tomes. Déjà, vous savez à quel point. Je kiffe le bleu, donc forcément le jaspage bleu, voilà. Lui, le second tome, donc le jaspage est vert. Voilà.
C'est bien parce que j'ai les rideaux, mais on dirait que j'ai grave de la lumière. J'adore. Bref, donc je vais. Donc le premier tome, c'est bien Six couronnes écarlates. Et le second tome, c'est bien La promesse du dragon, donc de Elizabeth Lim. Apparemment, ils sont best-sellers du New York Times. J'ai tendance à faire vachement confiance aux best-sellers du New York Times, donc c'est pour ça. Déjà, bah. Franchement, bravo. Donc, c'est aux éditions Rajo. Et franchement, bravo les éditions Rajo parce que le travail il est trop beau, quoi. Regardez dans la bibliothèque ce que ça fait. C'est genre trop beau. Franchement, je surkiffe. Bref. Donc, voilà. Du coup, je vais vous parler du résumé parce qu'on est un petit peu là pour ça. Donc, sachant que c'est du young adult fantastique. Et pour le coup, c'est un genre que je lis peu, mais que j'aime bien lire de temps en temps, donc c'est pour ça. Donc ils mettent une princesse en exil, un sort à briser, un empire à sauver. Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shuri, la plus jeune des sept enfants de l'empereur de Kyata. Elle découvre que sa belle-mère en est dotée, elle aussi. Pour l'empêcher de dévoiler son secret, la reine sans nom lui lance un sortilège. Elle transforme ses six frères en grues et l'avertit que pour chaque mot qu'elle prononcera, l'un d'eux mourra. Exilée et sans voix, Shuri va devoir se battre pour briser le sort et sauver Kyata d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourra compter sur son mystérieux fiancé qu'elle avait rejeté sans même le rencontrer. Voilà. Et c'est une traduction de Sophie Lamotte d'Argy. Bah pour les deux, voilà. En tout cas, le thème m'avait vachement tenté. Comme je vous disais, du coup, j'ai acheté le premier exemplaire sur Vinted et en fait, j'étais un peu déçue. Bah déjà, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai essayé de bien l'aplatir, mais en fait, voilà, le truc est arrivé. Il était un petit peu, comment dire, abîmé et il y a des pages. Voilà, les pages là sont abîmées. Je sais pas si vous allez bien voir. On voit vraiment pas. Je sais pas comment vous montrer. Ouais, voilà. Elles sont hyper abîmées. Ça vient pas du livre. Elles ont été abîmées avant et la personne me l'a vendu 38 euros. J'avais essayé de négocier le prix et elle a pas voulu. Et après, je lui ai quand même dit que j'avais trouvé que c'était un peu abusé. Elle en a remis un en vente que là, elle a mis moins cher parce qu'elle est allée voir et en fait, il y a des pages abîmées. C'est une professionnelle apparemment, donc j'ai trouvé que c'était hyper moyen déjà de vendre plus cher que le prix, sachant que c'est de l'occasion. Il n'était pas neuf, il n'y avait pas le... Là pour le coup j'avais vraiment le film par-dessus qui protégeait, pour celui-ci pas du tout. Donc voilà, je trouvais que c'était un peu moyen. En plus, enfin voilà, c'est... bref. Et puis les pages, le livre a déjà été lu je pense parce que les pages elles ont toutes été décollées. Que là, voilà, les pages elles ont pas l'air d'être lues. Là pour le coup, enfin, je sais pas si vous voyez, mais enfin bref. J'étais un peu déçue. Bon après c'est aussi ma faute, hein. Je le voulais absolument donc j'ai craqué. Mais franchement, on n'y reprendra plus à craquer comme ça parce que bah non, en fait, quand c'est pas le prix, c'est pas le prix. Normalement il vaut 23,90€. Je l'ai payé 38€ avec les frais de port. Voilà. Bref, c'est pas grave. En tout cas, celui-ci, j'ai trop hâte de lire cet été. Il me fait trop envie. Et comme ça, je pourrais lire en fait celui-ci. Et comme ça, celui-ci, je pourrais le lire d'ici l'automne. Donc voilà, bref. Ça, c'est les deux gros livres, en fait, que j'ai achetés. Mais franchement, enfin voilà, j'avais trop envie. Je pense aussi que celui-ci, à mon avis, c'est une mauvaise impression. Parce que par rapport à l'autre, je sais pas si vous voyez, mais on voit un peu la couverture. Bref. Je suis hyper déçue. Franchement, la personne qui me l'a vendu, je suis un peu déçue. Je m'attendais à mieux, surtout pour plus cher que le prix du livre, mais bon. Bref, c'est comme ça. Donc, les deux, je crois que c'est des premiers tomes. Je suis même pas allée vérifier. Mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte de les lire. Ça me changera un petit peu des genres que je lis. Bien évidemment, j'ai craqué sur le tome 8 des 7 sœurs, donc de Lucinda Riley et Harry Whittaker, puisque du coup, Lucinda Riley est décédée avant de pouvoir terminer. Donc c'est son fils Harry Whittaker qui a en fait terminé l'histoire de Passholt. Donc voilà, moi je vais lire le tome 4 cet été, donc bah pour le coup, j'en suis un peu loin, mais au moins je l'ai dans ma bibliothèque, comme ça c'est fait.
Ensuite, vous le savez, j'avais adoré le livre de cette autrice, que franchement, vraiment j'avais adoré. Et du coup, j'ai craqué, bah d'ailleurs j'ai oublié d'enlever le truc, le ticket de caisse, pardon. Donc voilà, il m'a coûté 8,95, c'est ça. En fait, j'avais adoré celui-ci. Donc c'était pas ne le dis à personne. Personne ne doit savoir, de Claire McGowan. Et du coup, Hauteville, alors je pensais qu'ils allaient sortir Dans mon ombre qui en poche, puisque Dans mon ombre est sorti l'année dernière en brochet. Et en fait, pas du tout. Ils ont sorti Ouvre-moi, qui n'est pas sorti en brochet. Donc je me suis dit, j'étais un peu perdue dans les sorties, mais bon, c'est pas grave. Ce qui fait que voilà, du coup, c'est le nouveau livre de Claire McGowan. Donc ils disent que personne ne doit savoir, il y a déjà 1 million de lecteurs lus. Ça ne m'étonne pas, le livre était vraiment très très bien. Et ils mettent une histoire captivante, percutante et pleine de rebondissements. Claire McGowan est au sommet de son art et c'est Peter James qui le dit. Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, ce livre, Ouvre-moi, il a été traduit de l'anglais par une Irlandaise, qui est Nathalie Guillaume. Et bref, c'est chez Hauteville. Donc voilà, franchement, j'aimais bien. Alors, je préfère Personne ne doit savoir en couverture, mais pour le coup c'était pas mal. Et celui-là, je vous avoue, j'ai trop hâte de lire, mais je termine d'abord la lecture en cours, mais franchement, je pense que c'est un des prochains que je risque de commencer. Donc, 20 ans de vie commune, 20 ans de mensonges. Hélène et Georges avaient imaginé une nouvelle vie, loin de leurs problèmes dans ce cottage à retaper au fin fond des Cournouailles. Mais à peine sont-ils arrivés qu'ils comprennent que quelque chose cloche avec cet endroit. Hélène ne se départ pas de l'angoissante sensation d'avoir déjà vu cette maison. Et les poupées trouvées dans les murs ou les étranges bocaux enterrés dans le jardin ne font rien pour atténuer sa terreur. Quand elle découvre que cette maison a appartenu 30 ans plus tôt à une femme soupçonnée de sorcellerie, coupable d'un triple meurtre, le passé revient brutalement frapper à leur porte. Hélène et Georges réalisent alors qu'ils courent un terrible danger et qu'ils ne peuvent se fier à personne, ni même l'un à l'autre. Donc, après le succès de Personne ne doit savoir, Claire McGowan revient avec un thriller psychologique terrifiant aux enjeux sociaux très actuels. Après, on a encore Peter James. Bah écoutez, franchement, moi, il me fait trop envie. Franchement, vous savez que j'adore les thrillers psychologiques. Donc là, je suis à fond, surtout que c'est un thriller aussi domestique. Bref, c'est un des prochains que je sors cet été, c'est sûr. Et enfin, le dernier, oui, quand je vous dis que j'ai craqué, qui est super lourd pour le coup. Quand je l'ai pris en main, j'ai fait « Waouh, on se fout pas de notre gueule pour le prix ». Bah, j'étais contente de payer le prix. C'est écrit très petit, il y a beaucoup de pages. Franchement, je suis plutôt contente. C'est un semi-broché, mais ce n'est pas un cozy mystery. Enfin, je pense pas. Non, je ne pense pas. En fait, c'est pour une lecture commune que Alexia, du compte My Cozy Book Vision, je ne sais plus. Bref, Alexia a lancé pour tout l'été en fait. Donc on va voir comment on le détermine, si on fait un découpage, pas de découpage. En tout cas, on le commence tous en juillet et on le termine au plus tard en août. C'est donc le 8 de Catherine Neuville. C'est le tome 1. Il y a un tome 2 qui arrive dans pas longtemps, en novembre 2024. Celui-ci vient de sortir, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Non, il est sorti là, il n'y a pas longtemps. Et donc, le tome 2, c'est Le Feu Sacré. Voilà, j'aime beaucoup les couvertures. Franchement, il est méga lourd. Et quand je vous disais, il est... C'est écrit très petit et très très serré et tout, mais bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai trop hâte de le lire, je vais vous lire le résumé. Bref, si jamais Lise, tu passes par là, il faudra que tu le lises une fois que je l'ai lu. Enfin, je te dirai si c'est bien déjà ou pas. Mais si je l'ai aimé, franchement, je pense que je passe parce que je pense que tu risques de vraiment aimer. Parce qu'il y a un gros gros aspect historique et franchement, moi j'aime bien. J'ai lu le résumé, j'ai dit vas-y, c'est bon, je me mets dans la lecture commune. Voilà. C'est le dernier que j'achetais d'ailleurs, hein, mais bon. Donc, sud de la France, printemps 1790. La révolution menace les biens des monastères et des couvents. À l'abbaye de Montglane, la mère supérieure charge 2 jeunes novices d'une mission urgente. Mettre à l'abri des pillages les pièces d'un mystérieux jeu d'échecs. Beaucoup parmi les grands d'Europe veulent en effet s'en emparer. Talleyrand, Robespierre, Bonaparte ou encore Catherine II de Russie. Décembre 1972, Catherine Vélis est une spécialiste des échecs. Alors qu'elle se prépare à partir en Algérie, un antiquaire lui demande de retrouver le jeu de Montglane afin de percer son terrible secret. Commence une quête passionnante à travers les arcanes de l'histoire de France, pleine de mystères, d'énigmes et de rebondissements.
Ce premier volume du jeu de Monglane, qui sera suivi du Feu Sacré, a été élu par le journal El País comme faisant partie des 10 meilleurs livres de tous les temps. Fresque monumentale doublée d'un puzzle diabolique, ce livre est devenu depuis sa première parution en 1988 un classique du thriller historique, peut-être le sommet du genre. Et donc Catherine Neuville vit dans les montagnes Blue Ridge en Virginie, le 8 est son premier roman. Donc je pense qu'elle a dû en écrire d'autres. Donc c'est une réédition, mais je sais que vous pouvez le trouver. Alors il y en a plein sur Vinted, parce qu'au départ je m'étais dit « Oh, je l'achète sur Vinted ». Et en fait l'autre jour je l'ai vu en librairie, j'ai craqué sur la couverture et j'ai vu en fait par rapport à un brochet, je me suis dit « Bah déjà, il est assez épais mine de rien, on dirait pas comme ça, mais il fait mine de rien ». 746 pages, donc voilà. Du coup, je me suis dit, bah, il coûte 21,90, mais pour 700 pages, franchement, enfin, moi, ça me choque pas. Et bon, il est un peu lourd, donc je pense que quand je vais le lire dans le lit, il va me tomber dessus. Mais j'ai bien hâte, parce que franchement, je trouve que c'est hyper intéressant et puis voilà, et que j'aimais bien quand j'étais ado les échecs, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas, sachant que je n'ai jamais vu aussi sur Netflix, et d'ailleurs je ne l'ai jamais lu, Le jeu de la dame, et ça fait partie des lectures qu'il faudrait que je lise un jour, je pense que je pourrais apprécier, ou au pire sinon je regarde sur Netflix et j'achète pas le livre, comme ça ça fait un livre de moins à acheter, pourquoi pas. Bref, en tout cas franchement, voilà, celui-ci, bah, je le commence le mois prochain, donc dans 15 jours techniquement. Mais franchement, non, j'ai trop hâte parce que il me tente trop, quoi. Donc voilà. Ce qui fait que tous mes achats sont ici. Voilà, c'est pas énorme non plus, mais ça fait un plus 5. Ça fait plus. C'est plus trop. Donc voilà, no buy jusqu'au 1er septembre. De toute façon, même s'il y a des sorties là en soi, j'ai pas forcément besoin ou envie d'en acheter. Je vais d'abord bien vider ma palle, on en reparle après. De toute façon, mes copines du book club m'ont mis un challenge, c'est d'être à 250 avant la fin de l'année, donc je vais aussi bosser là-dessus maintenant. Et puis voilà, je vous présente du coup mes petites lectures du moment, donc sachant que il va falloir que je termine celui-ci. Je vous représente pas parce que je vais pas vous en parler aujourd'hui, mais pour vous donner un petit peu les lectures en cours que pour le moment j'ai mis de côté. Donc Cinabre, qu'il faudrait que je termine, mais je vais terminer un autre livre avant et après j'en prendrai Cinabre, donc voilà, mais pour le coup Cinabre a été mis de côté aussi un petit peu. Le Ken Follett, bah, je le lis tous les soirs. Alors je l'ai pas forcément bien avancé ces derniers temps parce que bah, avec le nouveau boulot j'ai pas pu, mais j'en suis à page 184 et là j'espère que fin de semaine j'aurai passé au moins les 300 pages histoire de l'avancer, parce que là c'est plus possible. J'aimerais vraiment vraiment l'avoir terminé pour fin juillet parce que bon, il fait quand même 1000 et quelques pages, un peu plus de 1000 pages, donc forcément je vais pas l'avoir terminé en deux semaines, voilà, mais je l'avance tous les soirs, ça c'est sûr. Donc voilà pour le Ken Follett. La semaine dernière, j'ai commencé une lecture commune avec Pauline, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Donc pour le moment, je l'ai mis de côté parce que j'ai une autre lecture commune qui a commencé. Mais du coup, je vous en reparlerai dès que j'ai terminé ma lecture commune en cours, on va dire. Mais c'est Meurtre en coulisses, c'est le tome 3. Donc de toute façon, je ne vais pas vous expliquer quoi que ce soit. Je vous en parlerai quand je le reprendrai. Si jamais je finis mon autre lecture commune cette semaine, je vous en reparle. Mais là, pour le moment, non. Donc c'est une enquête de Loveday et Ryder. Et en fait, c'est le tome 3. C'est pour ça que je ne vous lis pas le résumé pour le moment. Mais voilà. Et donc, j'ai commencé la Brest Brigade. Alors, il m'attirait un peu plus que Loveday et Ryder, je l'avoue. Pauline l'a lu hyper vite, le Loveday et Ryder, et moi, pour le coup, avec le nouveau boulot, j'ai presque pas lu. Je crois que j'en suis à page 19, donc autant vous dire que voilà. Là, pour le coup, alors, il s'est un peu cassé dans mon sac. Faut que j'arrête de le mettre dans mon sac sans pochette. Donc, c'est le tome 2 de La Brest Brigade. Du coup, pour vous faire un rapide topo et sans vous spoiler le tome 1, du coup, puisque c'est la suite, alors pas au niveau de l'enquête, mais au niveau de l'histoire des personnages, eh bien, on est du coup à Saint-Malo. Et il se trouve que le maire est retrouvé sans vie. Et comme s'il y avait eu un attentat, parce qu'on a entendu un gros boom d'ailleurs, voilà, c'est pour vous dire, ça situe la scène. Donc il est envoyé à l'hôpital puisqu'il n'est pas
encore mort, mais il est plongé dans un coma artificiel et la Brest Brigade forcément va enquêter. Sauf que elles vont devoir trouver d'autres moyens puisque les premiers moyens mis en place, on va dire, je vous dis pas quoi, parce que sinon ça vous spoil le tome 1, mais les premiers moyens, et bien malheureusement, elles ne peuvent plus les utiliser. Il se passe autre chose qui fait qu'elles ne peuvent plus les utiliser et donc elles vont devoir enquêter là-dessus. Donc pour enquêter dans la Brest Brigade, il y a bien évidemment Maggie, donc qui est Maggie qui est là. C'est la sexagénaire ou septuagénaire, je sais plus. Bref, la grand-mère de Enora qui est vraiment complètement décalée, qui me fait un peu penser à Judith des Dames de Marlowe, qui s'envoie en l'air avec je ne sais combien d'amants. Enfin voilà, on a une scène au début qui est très très drôle. Donc voilà, j'ai bien aimé en tout cas ce début et cette entrée en matière. Et on a aussi Louise qui est donc la fille de Maggie et la mère de Enora, qui va faire partie aussi de la Brest Brigade et qui du coup va enquêter en fait tout simplement. Voilà, moi j'en suis à peu près ici. J'ai déjà quelques suspects en tête, j'en ai trois en tête. Trois qui pourraient être complètement plausibles, mais à la fois il faudrait que je trouve le pourquoi ils auraient fait ça. Je trouve que c'est toujours bien écrit, j'aime beaucoup la plume de Momalo, je trouve qu'elle est très travaillée, toujours avec des références culturelles et ça franchement j'aime bien. On est sur un cosy mystery français donc forcément ça change un petit peu, mais en soi ça ne me dérange pas du tout, j'aime vraiment vraiment cette histoire et j'aime beaucoup la Brest Brigade. Et là pour le coup, de tout ce que je lis en ce moment, je peux vous dire que je me régale et donc pour le moment je me concentre un peu plus sur celle-là et le soir je reprends celle-ci en fait, ce qui fait que j'alterne. Quand je vais me coucher je reprends celle-ci mais avant je reprends celle-ci et comme je rentre les midis maintenant puisque je suis à côté, alors pas tout le temps mais de nombreuses fois, et ben du coup je peux tout simplement le reprendre et le lire. Et donc là j'en suis à la page 81. J'ai pas vraiment avancé la semaine dernière, mais bon, là, cette semaine, je le termine, on arrête les conneries. Donc voilà, mais franchement, j'aime bien, je trouve que c'est toujours aussi frais, et si vous connaissez pas la saga, je vous recommande de lire Bienvenue chez les Corrigan, qui est le tome 1, et qui était vraiment, vraiment, vraiment super sympa. J'avais beaucoup rigolé, et c'est pour ça, du coup, on continue avec mes copines, donc Justine et Audrey, voilà. Pourquoi ? Parce que le tome 4 sort bientôt et qu'on voulait se mettre à jour sur cette saga. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je ne vous reprendrai pas demain, tout simplement parce qu'on va faire du sport. On reprend enfin le sport, la salle de sport, avec mes parents. Donc du coup, on risque de manger chez eux. Donc pas possible. Mais par contre, je pense que je vous reprends mercredi, voire jeudi. On verra. En fonction de comment j'aurai avancé mes lectures, si j'ai des choses à vous dire, pas. Voilà, je vais plus trop me prendre la votre tête, mais par contre dès que j'ai bien avancé un livre, maintenant je vous reprendrai. Mais comme demain midi en fait je ne peux pas rentrer puisqu'en fait un événement tout simplement à organiser, donc je ne peux pas rentrer et du coup je ne vais pas lire, et le soir je suis chez mes parents, donc autant vous dire que c'est ce soir et mercredi que je lirai. Donc peut-être que je vous reprendrai mercredi, peut-être que je vous reprendrai que jeudi. Vous le verrez tout de suite, de toute façon, moi pour le moment je ne sais pas et je vais voir. Bref, du coup, je vous laisse avec la suite de ce vlog. Vous voyez que c'est fini ? Eh bien non, en fait j'avais oublié un livre, donc en fait c'est plus 6 que j'ai rajouté dans ma palle. Voilà. Donc j'ai acheté en fait le tome 4, Retour à la Villa aux Étoffes, que j'ai mis en fait dans ma palle du moment. Et du coup j'avais un petit peu oublié que je l'avais acheté. Voilà, surtout que je l'ai acheté en même temps que le 8. Donc bref, c'est le tome 4 de La Villa aux Étoffes de Anne Jacobs que j'avais trop hâte de continuer. Et vous savez, je lis un petit peu en fonction des couvertures, donc c'est pour ça, celle-ci faisait plus printemps, on va dire été. Donc voilà, du coup, ce sera sorti dans l'été. J'ai bien hâte de continuer. J'aime beaucoup cette saga, donc c'est pour ça. Donc voilà, je voulais vous le présenter en plus, donc ça fait plus 6 et non plus 5, voilà, mais du coup ma palle est toujours quand même à 275, d'ailleurs je vais mettre mon carnet de lecture à jour ce soir, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Enfin bref, voilà, c'était juste une petite interruption, je vous laisse avec la suite de ce vlog.
Hello, je vous retrouve du coup, on est mercredi, il est 17h45, je viens d'arriver chez moi. J'ai fini un petit peu plus tard aujourd'hui puisque j'avais 2-3 trucs à terminer, puis j'ai surtout un logiciel qui fonctionne pas, enfin qui a un bug. Donc voilà, du coup avec ma collègue on s'est dit bon bah on part, ça sert à rien d'attendre puisque de toute façon ils nous ont dit qu'ils intervenaient que demain. Donc voilà, bon ça arrive, c'est comme ça, l'essentiel c'est que ce soit réparé. Je voulais vous faire un petit état des lieux de là où j'en suis. J'ai eu le temps de rentrer à midi et j'ai avancé la braise brigade. Et du coup, depuis la dernière fois, j'en suis à page 115. J'avance pas non plus des masses, mais j'avance quand même un petit peu en soi. Je trouve que franchement, il est super bien. Déjà, j'ai compris le titre, donc ni français ni breton. Et il y a des petits points, en fait, la phrase n'est pas complète et c'est la devise de Saint-Malo que je ne connaissais pas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de le savoir. Je crois que c'est ni français ni breton, mais malouin ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, je l'ai lu hier. Je ne sais plus, mais franchement, c'était hyper intéressant de le savoir, en fait, tout simplement. Donc voilà, du coup, franchement, j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était... C'était éducatif en tout cas et culturel. Et franchement, c'est ce que j'aime bien aussi avec Mo Mallo, c'est que je trouve qu'il nous met un petit peu dans son cozy mystery. Déjà dans le tome 1, c'était comme ça, des petites références culturelles ou même des références tout court. Et dans un but un peu éducatif, et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà. Bref, j'aime toujours autant, j'ai toujours mes trois suspects. Pour le coup, je vous disais que je trouvais pas forcément les alibis. Alors là, depuis, j'ai les alibis, mais malheureusement, j'arrive pas à comprendre qui ça pourrait être. Alors ça se trouve, c'est les trois suspects en question. Mais en même temps, ça colle pas avec... pas que j'ai les alibis, mais on va dire que... Ils ont tous des alibis, ça c'est sûr. Mais par contre, la raison du pourquoi ils auraient essayé de tuer le maire de Saint-Malo, en tout cas la raison profonde, j'ai l'impression que je l'ai. Mais par contre, enfin, est-ce que c'est un groupement qui a voulu se débarrasser de ce monsieur? Est-ce que c'est autre chose? Franchement, j'arrive pas trop à savoir. Bref, ça me fait un peu rire quand même parce que voilà, il y a toute cette énigme, et j'ai l'impression que l'auteur il se fout un peu de nous et il nous mène un petit peu en bateau. Mais franchement, c'est toujours aussi bien à lire, ça se lit vite, mais voilà, en ce moment c'est juste mon rythme de lecture qui est pas ouf. Mais en tout cas, ça se lit vite et franchement, c'est trop bien. Donc je vous conseille cette saga encore. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je vous la conseille quand même. Et ma copine Lise va être contente si jamais tu passes par là, mais je crois que je te l'ai déjà dit. J'ai avancé le Ken Follett, voilà, j'en suis à la page 212, il en fait toujours 1000 pages. Mais j'ai avancé, moi ce que je peux dire en tout cas, c'est que je trouve, alors par rapport au Pilier de la Terre qu'on relira plus tard, on va déjà finir celui-ci, mais que j'avais... alors j'avais pas lu le livre, mais j'avais vu la série. Par contre, j'avais lu le livre Un monde sans fin à l'époque, et parce que j'étais encore ado, et enfin ado, j'étais en prépa, au lycée, je ne sais plus, mais bref, dans ces années-là. Et franchement, je trouve que c'est un peu la force de Ken Follett, c'est qu'il crée des personnages qui sont hyper forts dans leur force de caractère, dans leur conviction, dans leur façon de s'exprimer. Les mots sont toujours justes, ils sont toujours précis et ils correspondent aussi à l'époque. Et franchement, c'est bluffant. J'ai beaucoup été touchée par un des personnages. Donc voilà, grosso modo, je vous en dirai pas plus parce qu'on vous prépare un petit truc avec Lise par rapport à ça. Mais vraiment, non, franchement, je passe du bon temps sur cette lecture. J'en avais besoin à midi parce que franchement, ça allait pas trop. Parce que voilà, j'ai des petits trucs au perso qui m'ont un peu saoulée. Et toujours est-il que voilà, du coup, j'avais ce besoin un petit peu aussi de lire un truc... cool, on va dire, mais pas prise de tête ni rien. Et en fait, je suis tombée là-dedans et j'ai lu quelques pages et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, comme on disait avec Lise, Ken fait cet effet-là pour le coup. Parce que Lise est très très fan de Ken Follett. Je crois qu'elle a presque tout lu.
Je suis même pas sûre qu'elle ait tout lu, mais il y a de grandes chances qu'elle ait lu tous les livres. Donc voilà, parce qu'au départ, j'avais commencé en fait à lire un petit peu celui-ci, mais je sais pas, j'étais pas encore totalement dedans. Il y avait un peu d'humour, j'avais pas forcément cette envie de rigoler non plus, donc bah du coup, je suis passée sur du Ken Follett. Et là, pour le coup, bah, j'ai trouvé que c'était un peu plus intéressant. Voilà, pour le moment, je suis vraiment sur ces deux lectures-là. Vous voyez à quel point j'ai vraiment réduit le nombre de lectures que j'ai en cours, parce que j'essaye en fait tout simplement de... Bah, comme j'ai un petit rythme de lecture, je vais pas non plus lire 15 000 livres et ne rien avancer, en fait, c'est pas le but. Donc voilà, en fait, celui-ci, je le prends en général le soir, bon, sauf exception aujourd'hui, ce midi. Et celui-ci, en fait, je le prends bah, toute la journée. Et donc voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment ces deux lectures que je privilégie cette semaine. Et dès que j'ai terminé celle-là, on passe à une autre que j'ai en cours, parce qu'il faut que j'en termine, en fait, tout simplement. Voilà, bref, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, donc je vais vous laisser là. Je voulais faire du sport, mais honnêtement, j'ai trop chaud, je suis pas hyper à fond. Donc c'est pas grave, le sport sera fait, je pense, demain. À voir si je vais à l'événement Fnac où je suis invitée. Je sais pas, je vais me laisser porter un petit peu. Là, j'ai envie de me poser un petit peu, 30 minutes de lire, donc d'avancer un petit peu mes lectures. Et puis après, j'ai quelques trucs à faire à la maison. Et il faut aussi que je relise le dossier d'une copine. Donc voilà, je pense que ça va être une soirée assez calme, assez cool. Et ça fait du bien, et sachant que ce soir, avec mon chéri, je ne lui laisse pas le choix. Le premier épisode de la saison 2 de House of the Dragon est sorti lundi. Lundi, il n'a pas voulu le regarder parce qu'il y avait le match de l'équipe de France. Donc je l'ai favorisé parce que le match était en direct. Hier soir, on était chez mes parents, donc on n'a pas pu le regarder. Du coup, on a regardé le match du Portugal. L'euro l'oblige, hein, donc voilà. Sauf que là, ce soir, il n'y a aucune excuse en fait. Je m'en fous du match, sauf si c'est l'Italie, mais honnêtement, je ne pense pas. Donc ce soir, en fait, pas le choix, on regarde House of the Dragon. Voilà. Et pourquoi je dis l'Italie? Parce que oui, moi, je supporte plutôt l'Italie. En foot, en fait, c'est rare que je supporte l'équipe de France. C'est horrible, je sais, parce que je suis française. Oui, mais j'ai des origines italiennes et j'ai toujours été plus proche de la squadra, en fait, en termes de valeurs, de tout ça, en fait. Même s'ils sont pas bons, je m'en fous, je les supporte quand même. Et ma deuxième équipe de cœur, au niveau international, on va dire, c'est le Brésil. Voilà, parce que j'ai des choses dans ma vie qui me rapprochent au Brésil. Donc voilà, du coup, le Brésil est un pays aussi important qui a beaucoup compté quand j'étais petite. Et donc voilà, en fait, tout simplement. Bref, bah écoutez, je vous laisse là. On va pas épiloguer sur l'euro, on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous suivez des équipes. Si, bon, j'imagine que vous suivez la France, mais peut-être que vous avez d'autres équipes que vous suivez. Si vous n'êtes pas français, bah, n'hésitez pas à me dire. Ça m'intéresse, franchement. Donc voilà. J'avoue que j'aime bien aussi la Belgique. La Belgique est plutôt pas mal et l'Angleterre aussi. Enfin bref. Voilà, je m'éparpille, on va arrêter là. Je vous cache pas qu'en fait, là où j'ai trop trop hâte, c'est le moment des JO. Parce que ça, franchement, je suis ultra fan, moi qui suis plein plein de sport, mais alors là, ultra fan. Donc voilà. Bref, je vous laisse là. On va arrêter d'épiloguer sur le sport. Je vais aller me poser pour lire un peu, boire une boisson fraîche et me détendre après cette journée un peu prenante. Et puis je vous retrouve bah, soit demain, soit vendredi. Hello, je vous reprends, je suis un peu en mode dimanche, pas maquillée ni rien, mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, je viens de terminer le ménage, donc voilà, c'est pas très très grave, j'ai envie de vous dire. J'ai plein plein de choses à vous dire, j'ai plein plein de choses à vous dire, et j'ai surtout un haul à vous faire, qui ne sera pas un haul livresque, mais... C'est des vlogs et j'estime que bah, ça peut être intéressant de parler aussi d'autres choses. Puis de toute façon, je pense que maintenant vous commencez un peu à avoir l'habitude. On va commencer avec
Oups. Cette tête d'oreiller, j'en ai acheté deux. Bon, vous êtes sur la deuxième qui tient mon iPad. Voilà, de chez Maison du Monde. Je sais plus à combien elles étaient. Je sais plus. Mais je les trouvais super sympas. En fait, on cherchait un peu des couleurs. Alors, pas trop criardes, mais qui fassent été. Et en même temps, qui peuvent aller avec notre canapé gris. Donc, voilà. Et derrière, c'est comme ça. Et franchement, j'aime trop parce que ça fait un peu comme si c'était de la... Bah, pas de la toile de jute, mais un petit peu. Enfin, bref. La couleur. Franchement, j'aime trop. Je trouve que c'est super sympa. C'est Cap Martin. Ils avaient aussi... Capriviera, mais le problème c'est que c'est les oreillers qui sont en rectangle et du coup ça m'allait pas forcément, donc voilà, j'ai préféré prendre celui-là. Il faisait super beau il y a même pas une demi-heure et là de nouveau on est sur un temps tout gris. Je comprends pas la météo. Après, je vais pas me plaindre honnêtement, tant qu'il pleut pas, ça me va. Mais s'il n'y a pas beaucoup de soleil et que c'est juste nuageux, j'ai envie de vous dire, ça me va aussi. J'ai horreur de la chaleur donc. Voilà, enfin moi la chaleur en fait j'adore, mais que quand je suis en vacances l'été pour en profiter. Mais si je suis chez moi et que je suis pas en vacances et que je dois faire le ménage et qu'en fait on transpire parce qu'il fait trop chaud, bah je vois pas l'intérêt de la chaleur. Mais chacun fait comme il veut. Voilà, voilà. Je sais plus si je vous avais présenté, il me semble que si. Du coup que j'avais en fait acheté 160 crayons de couleur que j'ai trouvé sur Amazon, qui était pas très très cher en soi. Et en fait, je me suis fait des petits nuanciers, donc des deux côtés. Je me suis inspirée de ma copine Lise qui en avait fait. Et voilà, vous avez en fait tout. Et voilà, il y en a plein. Je ne vais pas tous vous les ouvrir, mais grosso modo, j'ai toutes ces couleurs-là. Sauf que il m'en manquait. Et du coup, je suis allée... Ah, attendez, parce que j'ai ma trousse à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis allée en racheter parce que, comme je vous avais dit, je fais les coloriages Disney que j'avais acheté en fait tout simplement dans le donc Girl Power. J'en ai commencé plein, j'en ai terminé qu'un. Comme les livres en fait. Et sauf que, alors, voici le premier que j'ai terminé. Franchement, je suis trop contente, ça rend trop trop bien. Le problème, c'est que ces couleurs-là, un peu beige, un peu de cette couleur-là, on va dire, et ce gris aussi, en fait, le gris-là, je ne les avais pas dans les 160 couleurs. Oui, c'est possible. Ce qui fait qu'en fait, ça m'allait pas, parce que franchement, je voulais le terminer, je le trouve vraiment trop trop beau. J'aime vraiment toutes les nuances et tout. Et pour une fois, parce que c'est vrai que j'en ai discuté, alors je sais plus avec qui j'en ai discuté sur Insta, je crois que c'est Virginie, où on disait qu'en fait c'est chiant parce que quand on a, vous voyez là c'est la lumière en fait du visage, pareil un peu là, etc. Là je trouve que ça va encore en soi. Bon, c'est pas l'éclate, mais ça va encore. Attendez, je vais vous le retrouver dans les... couleur, voilà, c'est celui-ci, vous voyez, sauf qu'en fait là on a un peu de la lumière en fait, c'est une couleur qui est de la même mais un peu plus claire pour montrer qu'il y a la lumière, etc. Et il y a des moments, bah on trouve que en termes de colorisation sur les visages c'est pas génial, mais bon, j'imagine qu'ils font aussi en fonction des couleurs qu'on peut trouver sur le marché. Et bref, il manquait plein de couleurs beige, ce qui fait que je suis allée chez Grafigro hier après le book club. Et du coup, j'ai pris toutes ces couleurs. Ce sont des Faber-Castell. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Je les ai achetés à l'unité, ils sont assez chers. Je crois que j'en ai eu pour 14 euros. Mais en soi, je sais que je vais les utiliser et c'était surtout que je voulais... une couleur un peu comme ça parce que j'ai un blanc mais j'ai pas un blanc beige. Alors ce qui m'embête c'est que je voulais un beige qui tire plus vers le marron, ce qui fait que j'ai un petit peu mixé en fait ces deux là et ça passait un peu mieux et j'ai aussi mixé ces deux là, voilà, en soi. Donc si jamais vous voulez les références, j'ai pris le beige red 132, donc qui est un rose pâle, un rose un peu plus foncé qui est le Cinnamon 189, donc voilà, un petit peu plus foncé. Franchement, les deux là, pour faire les visages, je trouve que c'est plutôt correct. Ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons le Ivory 103, donc vraiment un beige. Hein. On dirait qu'il est blanc, mais en fait non, il est beige. Parce que j'ai déjà un blanc. Le Bistre 179, qui est un marron un peu glacé.
Et les deux gris qui s'appellent tous les deux Warm Grey, sauf que lui c'est le 271 et lui c'est le 270. En fait, vous voyez, il y a une légère différence, mais elle est légère, hein. Elle est légère. Mais bon, voilà. Donc je suis plutôt contente. Je les ai essayés du coup sur le coloriage que je vous ai montré, ça rend trop bien. Donc voilà, bon, j'aurais pas pu acheter tout le set à l'unité, mais mine de rien, je trouve qu'ils sont très très bien ces crayons de couleur. Donc voilà, je trouve que la mine est bien, il casse pas, donc voilà. On va rester dans tout ce qui est papeterie. Alors, je vous montre pas, hop là, ma to-do du jour, mais en fait, je me suis acheté une to-do chez Flying Tiger et c'est trop bien parce qu'en fait, vous pouvez juste faire comme ça pour le poser et en fait, bah, il tient. Voilà. Bon, je vous montre pas ma to-do du jour parce qu'elle n'est pas encore terminée et qu'il y a des trucs qui me concernent. Mais voilà, grosso modo, et en fait après vous avez plus qu'à déchirer les trucs. Franchement, c'était que dalle. Et. Attendez, je vous montre comme ça. Vous avez en fait. On va faire comme ça. Voilà, vous voyez qu'il y a deux trucs que j'ai fait. Et en fait. Hop. Ça vous met things to do et voilà. Et en fait, vous le posez. Franchement, je trouve ça trop pratique. Donc voilà, pour mon dimanche, je pense que je vais souvent l'utiliser. Enfin, le week-end ou le dimanche, voire la semaine. Je vais souvent l'utiliser. J'ai aussi racheté des petits trucs comme ça pour les lectures communes. Je trouve que c'est très pratique. Et il y avait une règle avec. J'ai pas les prix, mais en tout cas tout coûtait moins de 3-4 euros je crois, de mémoire. Franchement c'est pratique, vous pouvez même y mettre dans un carnet en soi. Donc voilà, je trouvais que c'était très très pratique. Et il y a des couleurs que j'avais pas forcément et je trouve que c'est plutôt sympa parce que bah, j'aime bien changer en fait en fonction de la couverture surtout. Mais après je ne fais pas les phrases que j'ai bien aimées, etc. Je sais que c'est trop beau, hein. Je respecte les gens qui font ça. Mais comme je lis pas forcément dans les meilleurs endroits, on va dire, bah voilà. Désolée, j'ai enlevé un petit truc comme ça. Du coup, j'ai pas mes petits trucs avec moi, donc c'est tout simplement. Ensuite, je me suis aussi pris, parce que ça peut toujours servir, des stickers book. Donc en fait, voilà, c'est des stickers, donc des autocollants. Good things take times, takes times, non, take times. Take times, je sais pas pourquoi je m'arrête à take. Des to-do, ça peut être encore des to-do, des importants. Là, vous avez des to-do, sans les citer. Là, il y a des trackers. Des to-do, important, today, not. Voilà, plein de trucs comme ça. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Moi, je sais que je vais souvent l'utiliser. À voir, même si je l'utilise pas pour le boulot parfois. Ça peut servir. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien. Franchement, j'ai trouvé que c'était très pratique. Et je crois que c'était 1,25€, 1,35€, quelque chose comme ça. Bon, bah voilà, j'ai craqué. Voilà, voilà. Ensuite, un peu à cause de Cécilia, donc Cécilia Cherry Pearson. Donc je sais pas si tu passeras par là un jour. Si jamais, merci, mais mon porte-monnaie ne te remercie pas. En fait, elle a montré une story dans la semaine où elle est allée chez Yves Rocher. Moi, ça fait des années que j'y vais une fois par an parce que je vais chercher un seul truc chez Yves Rocher, à savoir ce gel douche-là. Je suis un peu déçue que le concentré, il y ait juste marqué concentré et il n'y ait pas le petit truc avec le monoeil, mais bon, bref. C'est pas grave. Ce gel douche, c'est un peu une Madeleine de Proust pour moi. Vous le savez, je vous l'ai déjà montré dans des précédents vlogs de l'été dernier. Où en fait, c'est un shampoing douche concentré au monoeil. Franchement, j'aime trop. Et en plus, bah là, comme il est concentré, ils disent qu'on peut faire 40 douches comme un 400 ml. Il y a deux fois moins de plastique et un flacon 100% recyclé. J'ai même pas senti parce que je sais que j'adore et que pour les vacances ça va être trop bien. Et j'adore, effectivement. Et en plus, on m'a validé mes vacances là il y a pas longtemps, donc je sais qu'on peut partir 2 semaines en août. Donc il faut que je vous prépare des vidéos. Et encore que je crois que honnêtement, pendant mes vacances, je vais vraiment couper et pas forcément vous faire de vidéos. Je vais voir. C'est pas encore défini, mais je vais voir. Vous me direz si jamais vous regardez des vidéos. Bah, en fait. On va faire plutôt comme ça, en commentaire, dites-moi si l'été vous regardez beaucoup de vidéos sur YouTube ou vous lâchez un peu et puis c'est pas grave quoi.
Dites-moi, parce que j'avais vu que les vues avaient cruellement baissé l'été dernier et je m'étais dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire du contenu si les gens n'ont pas le temps parce qu'ils préfèrent profiter de leurs vacances, ce qui est complètement normal en soi, hein, je vous engueule pas, mais voilà, je me dis, est-ce que je fais pas une pause et au pire, je vous reprends, à partir du 20, 25, je ne sais plus quand est-ce que ça tombe, bref. Vous me direz, mais bon, voilà, ce qui fait que comme on va partir en vacances, je ne sais pas encore où on part, mais on va sûrement prendre l'avion, et du coup, 100 millilitres, ça sera autorisé dans l'avion, donc c'est pour ça, du coup, on va en profiter, et en plus, on pourra se doucher à deux avec ça, donc ça sera très très bien, du coup, ça c'est notre gel douche, et j'avais reçu en fait mon petit carton, ce qui fait que j'avais le droit à des cadeaux. Et j'ai aussi acheté un autre truc et ça c'est Cécilia qui en a parlé dans sa story et qui m'a trop donné envie de tester parce que franchement des bases pour les ongles j'en ai testé des tonnes. J'aimais bien la Essie mais je trouve que sur la fin elle fait pâteuse, elle a du mal à sécher et bref elle est pas si géniale que ça. Et j'ai quand même les jaunes qui jaunissent de temps en temps. Là ça fait longtemps que je m'étais pas refait les ongles donc j'avais un peu envie. Et du coup, elle en a parlé, elle avait l'air de dire qu'elle avait testé pas mal de bases et que celle-là était vraiment bien. Donc je me suis dit, on va tester, en plus petit prix, donc tout intéressant. C'est donc la base SOS Resist, donc qui est une base coat, c'est pas un top coat, c'est vraiment une base coat. Ils vendent le top coat aussi, mais bon, je vais déjà tester la base, si j'aime bien, j'irai acheter le top coat. Mais en tout cas, hyper intéressant, je crois de mémoire que c'est au moins de 2€. En tout cas sur moins de 5€. Mais c'est pour ça, je me suis dit franchement c'est plutôt pas mal. C'est un 5 millilitres. Chez Essie, on est plus sur du 15 ou 20 millilitres de mémoire. Mais après, franchement, enfin, moi les bases, j'en utilise, mais en base en fait. Et des fois, je les mets aussi en top coat. Mais je sais pas, à voir. Franchement, à voir. Mais pour le moment, voilà. Donc je pense que je vais me refaire les ongles là dans pas longtemps. Donc cette base sera très intéressante, voilà. Et merci Cécilia, du coup je testerai. Et comme disait Cécilia dans sa story, quand vous allez chez Yves Rocher, vous achetez des produits et vous repartez avec autant de cadeaux que de produits achetés. Donc il faut savoir que j'ai acheté 2 produits et j'avais le droit à cette trousse parfaite pour l'été. Bon j'en ai plein des trousses mais mine de rien, je dis que j'en ai plein mais finalement plus tant que ça. Et en fait c'est bien parce qu'elle est en aluminium à l'intérieur, enfin spécial pour conserver les produits au frais pour pas que ça tourne etc avec la chaleur, donc je trouvais que c'était plutôt pratique en soi, puis emmener à la plage et tout, pratique aussi pour les produits solaires pour pas qu'ils prennent chaud, donc voilà j'ai eu ça et au départ on doit payer normalement pour l'avoir. Sauf qu'ils en avaient plein et puis on était bloqué à cause de la pluie et la dame m'a demandé et je lui ai dit ok. Et en fait j'ai eu le droit à la serviette qu'elle m'a gentiment offert, je suis trop contente. D'ailleurs j'ai vu qu'à Montpellier ils font des trucs différents des autres Yves Rocher parce qu'il y avait une dame à côté qui avait pas du tout la même serviette. Et franchement moi j'aime bien celle-là mais j'avoue que celle de Montpellier était aussi très très belle. Donc voilà, du coup c'est une serviette de plage, elle est quand même assez grande et franchement j'aimais trop le côté petite feuille et tout, enfin voilà. Bon, en plus c'est mes couleurs hein, j'ai envie de vous dire. Elle est ultra douce, elle est en 100% coton recyclé, donc franchement j'aime trop, vous voyez, elle est trop belle. Franchement je l'aime trop, elle est trop jolie et je pense que du coup on va partir avec celle-là parce que mine de rien elle est pas trop grosse et en même temps elle est toute douce. Bref moi je préfère les serviettes qui sont toutes douces plutôt que celles qui sont un peu rêches mais qui vous sèchent vite. Donc, du coup mes petits achats en soi, j'en ai pas d'autres de mémoire, c'est déjà pas mal. Par contre, du coup, on va parler lecture. On est un peu là pour ça quand même. Alors, je vous disais que j'avais un petit rythme. Mine de rien, j'ai quand même avancé, mais pas autant que je voudrais. Donc là, je vais me poser aussi un petit peu pour pouvoir l'avancer et le lire parce que je pensais le terminer cette semaine. Bon, là, c'est un peu raté. Donc, on parle de la Braise Brigade, du coup, de Momalo. C'est le tome 2. C'est ni français ni breton. Et j'en suis ici.
Voilà. Je commence à me poser des questions sur certaines personnes et je commence à comprendre qu'il y a un petit peu un comique de répétition sur certains personnages avec le tome 1. Et pour le coup, j'aime bien parce que je trouve que c'est très frais et en même temps, ça nous permet de faire un lien entre les tomes. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont fait rigoler, d'autres un peu moins, bon voilà, mais j'aime toujours autant cette plume de Momalo qui est là en fait pour vous apporter des choses culturelles sur Saint-Malo, qui est une ville, je pense, qui n'est pas qu'une ville de cœur, qui est vraiment une ville, qui ça va au-delà que le cœur, je pense. Et je comprends mieux pourquoi il est tout le temps la marinière, etc. Et franchement, non, j'aime beaucoup parce que j'apprends des tonnes de choses. On n'ira pas à Saint-Malo pour cet été, ça c'est sûr. On a envie de partir à l'étranger, donc on va voir où est-ce qu'on va aller. Mais ça m'a donné quand même envie de visiter un petit peu la ville de Saint-Malo parce que je pense que ça peut être une ville qui peut être hyper intéressante, surtout d'un point de vue historique, avec les Anglais, avec ce genre de choses. Donc voilà, mais en tout cas, franchement, non, j'aime bien. Je trouve que c'est très frais, très intéressant, ça se lit bien. Donc voilà, j'espère que je l'aurai au moins terminé d'ici mercredi. On croise les doigts. Mais voilà, franchement, trop contente. Et je reprends un peu un rythme de lecture. C'est pas encore ça, mais on commence à avancer. Et ensuite, j'ai hyper avancé. Alors quand je vous dis hyper, c'est oui, c'est hyper parce qu'en fait, j'ai réussi vraiment à me poser tous les soirs pour le lire. Alors même si des fois, je lis 10 pages, des fois, j'en lis 20, des fois, j'en lis même 30, enfin voilà. Et ben, mine de rien, j'avance. Hier, j'avais du mal à me coucher dans le sens où, en fait, il y avait mes voisins qui faisaient de la fête, etc. Je peux vous raconter tout ce que mon voisin a fait avec son Blablacar et qu'il est tombé amoureux de son Blablacar. On adore, super, merci, je m'en passerai, mais voilà. Autant mon mec, il s'est endormi tout de suite, il a rien compris, autant moi, j'ai le sommeil très léger. Et comme j'arrivais pas à dormir, bah, j'ai avancé aussi un petit peu et du coup, j'en suis ici. Donc mine de rien, j'avance parce que j'en suis à la page 275. Donc voilà. Là, je suis vraiment prise par l'histoire. J'ai un peu peur de ce qui va arriver sur certaines choses et j'espère me tromper, notamment sur un personnage. Maintenant, il y a un autre truc où j'aimerais trop que ça arrive et je crois me rappeler que pour les piliers de la Terre, c'était comme ça. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était comme ça pour les piliers de la Terre. Et je me suis dit, oh là là, si c'est ça, bon, ce sera peut-être un peu redondant, mais voilà. Je viens de voir que mon livre était quand même un peu abîmé. Je sais pas ce que je fous avec ce livre. Ça m'énerve parce que moi qui aime pas du tout les abîmer. Oh, bah alors là. Ah ouais, là il a pris un coup quoi. Je pense qu'il a dû tomber. Il a dû se plier. Oh, c'est horrible. J'aime pas. J'aime pas. Mais bon, je vais pas aller le racheter non plus, hein. On va se calmer. C'est là où le lâcher prise rentre en compte. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien. Je suis vraiment prise dans l'histoire, dans les mœurs, dans les choses qui se faisaient à l'époque aussi, parce que ça se passe avant. Là, on est en 997 en fait. Donc voilà, on découvre comment se passaient les naissances, on découvre comment se passent les travaux agricoles, qui sont les nobles, comment ça se passe, est-ce qu'ils ont des lits, parce qu'à l'époque, les lits n'existent pas chez tout le monde, et encore moins chez les fortunés dans les villages, mais qui sont pas si fortunés que ça. Voilà, il y a plein de choses comme ça, il y a encore ces trucs de la prostitution, d'avoir une esclave que l'on peut foutre. Voilà, c'est un peu compliqué et en même temps, je trouve que c'est très révélateur de ce qui se passait, enfin en tout cas de ce qu'on peut imaginer qui se passait. Et bref, franchement, j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup avec les Ken Follett, c'est qu'en fait, vous suivez plusieurs personnages où il va y avoir des destins un peu croisés à droite, à gauche. Et vous allez vraiment, en fait, voir tous ces destins s'entrecroiser. Des fois, ils vont croiser, se recroiser. Y a plein de choses. C'est un peu comme un Game of Thrones, mais la version moins gore et la version avec moins de sexe, quand même, faut dire ce qu'il y a. Mais voilà, on est un petit peu dans cette période-là et franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc voilà, bref, j'aime trop. Je vous parle de Game of Thrones parce qu'en fait, on a commencé House of the Dragon. Je suis ultra fan, hein, voilà, j'ai adoré Game of Thrones. Là, House of the Dragon, je suis peut-être
un poil moins fan, mais par contre j'aime bien parce que c'est toujours le même univers. Pour le moment, on commence sur une saison qui est un peu douce, un peu calme, voilà, ça c'est le côté cool. Mais mine de rien, on sait qu'il va se préparer des choses, et c'est surtout que sur les épisodes, on va dire 7, 8 ou 9, il peut se passer des tonnes de choses. Dernier épisode, en général, il se passe pas non plus des trucs de fou, ou alors il se passe vraiment un truc de fou, et avant, en fait, ils ont placé l'histoire, et du coup, c'est un peu long. Voilà. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'aime bien. Mon chéri a du mal à raccrocher les wagons, donc à chaque fois, je lui explique qui est qui, etc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En fait, on est beaucoup sur l'euro, on est beaucoup sur bah, tout ce qui va être le début des JO. Enfin, là, en tout cas, il y avait les championnats d'athlètes à Rome. Mon chéri est un féru de sport, tout type de sport, donc c'est vrai que ça joue. C'est vrai que je suis le sport, c'est par rapport à tout ce qui est cette ferveur, cet engouement, ces valeurs et ce collectif qui est créé. Même pour des sports individuels, vous avez un collectif avec votre coach, avec bah, la France en soi, enfin voilà, il y a plein de valeurs comme ça. Donc voilà, et j'ai hâte des JO, et j'ai surtout hâte qu'on arrête de nous parler des élections. Je vous dirai pas pour qui je vote, parce qu'en fait j'en sais rien, honnêtement j'en sais rien. J'attends les programmes, donc voilà, et je trouve que le vote est intime et personnel, donc je n'en dirai pas plus. Mais j'ai vraiment hâte que ça soit fini et qu'on nous parle des JO et qu'on nous parle de choses bien, de médailles, de ce genre de choses, parce que là, j'aime pas le climat qu'il y a en ce moment. Franchement, je trouve que c'est un peu oppressant. Et j'avoue que c'est aussi ce qui me donne envie de retourner bah, dans la lecture ou dans les coloriages, ou enfin voilà, bref. Voilà, voilà. Bref, en tout cas, moi, ce que j'aimerais savoir vous concernant, parce que c'est aussi intéressant quand vous me parlez en commentaire. Merci déjà pour toutes les personnes qui ont commenté mes dernières vidéos. Je vais essayer de rattraper mon retard là sur les commentaires et tout, parce que j'aime pas être en retard comme ça. Mais voilà, je cherche encore un petit peu un rythme, je commence à le poser, je commence à comprendre un petit peu comment vont fonctionner un peu mes semaines, quand il y a des events, quand il n'y en a pas, etc. Donc voilà, je commence à prendre un peu mes marques, mais ça va prendre du temps encore un petit peu. Déjà, j'ai réussi à filmer cette semaine, je suis ultra fière de moi. Pas tout le temps, mais bon, écoutez, j'ai filmé ce que je pouvais filmer. Donc voilà, les prochaines semaines seront un peu complexes à filmer, je verrai ce que je peux faire ou ne peux pas faire, puisqu'en fait ça va être les vacances scolaires et nous accueillons ma petite cousine qui vient vivre chez nous pendant 2 mois. Qui arrive vendredi prochain, et voilà, du coup je vais peut-être pas filmer comme je pourrais, je vais essayer de voir, j'essaierai de filmer quand bah, ils seront au boulot, puisqu'en fait elle va bosser dans la boîte de mon chéri. Pour un job d'été en fait, tout simplement, et voilà, et du coup bah c'est plutôt cool, on va être 3, donc c'est vrai que ça va nous faire un peu bizarre, mais bon bah c'est comme ça, c'est pas grave, au contraire je suis trop contente de pouvoir l'accueillir. Et donc voilà, mais du coup bah je filmerai soit les midis, parce que je vais rentrer les midis, que elle sera pas souvent là je pense, soit je rentrerai quand je rentrerai, et soit je filmerai quand je pourrai filmer le soir avant qu'il rentre, ou voilà. Mais je voulais éviter de me barrer toutes les 5 minutes dans la chambre pour filmer, leur demander de pas faire de bruit ou ce genre de choses, enfin voilà, je peux pas non plus leur imposer, on va dire, des trucs, donc voilà. On verra comment j'arrive à faire, et au pire des cas, comme elle bossera le samedi et le dimanche, sinon je vous préparerai des vidéos ou je vous ferai des résumés de semaine ou ce genre de choses. On verra, pour le moment je me prends pas trop la tête, déjà j'arrive à filmer, je suis très fière de moi parce que j'arrive à avancer mes lectures aussi, hein, parce que si j'arrivais pas à avancer, j'aurais pas filmé. Donc c'est surtout là où je trouve que je commence à reprendre un vrai rythme, et ça fait du bien au moral, à plein de choses, donc voilà. Bref, bah écoutez, je vais vous laisser là. Dites-moi bien en commentaire si vous regardez beaucoup de vidéos sur le mois d'août, parce que moi je vais surtout partir sur le mois d'août. Voilà, si vous les rattrapez après à la rentrée ou pas, dites-moi un peu comment vous fonctionnez, et comme ça je vais essayer de m'adapter aussi en fonction des réponses que j'aurai. À voir si je prépare du coup bah, les 3 vidéos, parce que du coup je vais partir sur 3 week-ends, donc ou est-ce que je vais en préparer qu'une seule, ou voilà, ça me permet en fait de savoir qu'est-ce que je dois faire sur mon mois de juillet, sachant que là je me suis réorganisée, je vais vraiment créer beaucoup plus de contenu que je vais programmer pour Insta, et comme ça vous verrez plus de chroniques aussi. Il y en a plein qui m'ont dit, mais quand est-ce que tu reviens sur Insta, on aimait trop tes chroniques et tout, donc oui, vous inquiétez pas, c'est prévu. Là je prévois
photo dump de la Corse, de certains paysages qui sont trop beaux que j'avais envie de voir. Et j'avais, il y a une photo avec mon chéri qui est trop belle, donc voilà, j'avais envie de la mettre. Ensuite, j'ai prévu le bilan de juin, parce qu'accessoirement on est bientôt fin juin, donc ça va sortir aussi. Et ça, pour le coup, j'ai la vidéo. Et ensuite, c'est tout. Il faut que je prépare des chroniques, donc voilà. Bref, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais préparer du coup les photos, etc. Ça me manque en fait d'en faire, donc voilà. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, normalement, dans une prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, et en attendant, prenez soin de vous.